Hello Trader, une nouvelle émission aujourd'hui, jeudi 7 juillet 2016. Des marchés retors, des marchés qui font mal pour certains. Les alertes d'hier, les stratégies hier ont très très bien fonctionné. Certaines effectivement attendent d'être startées. Je vous en ai envoyé encore trois ce matin, dont une sur l'euro-dollar qui a été très rapide à starter. Une autre sur le FCE qui est poussé par des indices qui ont gapé boule. Ce matin, donc avec deux perspectives, une première de les faire monter relativement haut et une seconde où on va pouvoir combler une partie du gap. Faites attention avec ce fameux gap, c'est pas une cash machine, il faut savoir le prendre, le traiter et en profiter bien évidemment. Pour ce qui est des marchés asiatiques ce matin, on a un Nikkei qui est plutôt stable avec une valeur qui n'est même pas à 1% puisqu'on est à 0,67, ce qui veut dire que ça ne va pas pousser les marchés européens. On attend donc l'ouverture maintenant des marchés américains pour donner une tendance de fond. Voilà, l'Europe vient d'ouvrir. Aujourd'hui, c'est plutôt calme. Encore une fois, privilégier les valeurs volatiles et liquides. Laisser tomber les valeurs uniquement volatiles. Sur le papier, ça fait beau. Mais dans le portefeuille, ça ne reflète absolument rien. Je suis en position sur le FCE. Le FCE qui tend vers effectivement 4150. Voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. Faites attention, on est dans une période estivale. On attend un petit rallye d'été, mais qui tarde à venir. En tout cas, take care, enjoy et passez une excellente journée. Bye bye.